Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et c'est enfin une vidéo de Noël puisqu'on se retrouve pour ma wishlist. Donc qu'est-ce que j'ai envie d'avoir à Noël? Je vous avoue que j'ai mis du temps à la filmer. Parce que cette année, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à être dans le mood entièrement et complètement de Noël. Je sais pas. J'ai fait ma déco, par contre ça j'adore. Je suis toujours éblouie, on va dire ça comme ça, par les décos de Noël et par ce côté féerique. Mais j'arrive pas à ressentir la magie comme je la ressens d'habitude. Alors je ne sais pas si c'est le climat actuel en ce moment avec tout ce qu'on entend dans les actualités ou je sais pas, voilà, mais je me sens pas à 100% dans Noël, voilà. Mais voilà, j'ai essayé de réfléchir un petit peu à ce que j'avais envie. Donc c'est une liste où il va y avoir des choses un peu plus accessibles et des choses qui sont vraiment dans une wishlist de rêve pour moi, mais que je n'aurai pas clairement, on va pas se mentir, cette année à Noël. Donc je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. Du coup, cette année, j'ai décidé de le faire sous forme de catégorie. Comme vous avez pu le voir, on va commencer avec la catégorie maison. Et on va commencer avec un article que je vous avais présenté dans ma wishlist l'année dernière. Il s'agit de cette housse de... Enfin, cette parure de lit de chez Ikea. Donc, c'est la natte jasmin. C'est celle, vous savez, qui a les rayures, vous savez, un petit peu transparent sur le blanc, que j'adore. Vraiment, je la trouve simple, mais qui fait classe et chic. Je trouve ça vraiment très, très joli. Comme vous pouvez voir, moi, les rayures, j'aime bien ça. J'en ai derrière déjà. Donc, voilà. Mais c'est vrai que, bon, je vais pas tergiverser dessus parce que je l'ai déjà demandé l'année dernière. Mais je trouve ça vraiment joli. Et je trouve que c'est une bonne idée à offrir une parure de lit. Parce que ça coûte quand même cher, on va pas se mentir, et je pense que c'est une bonne idée, et en plus de ça, moi j'adore la déco, vous le savez, donc on verra bien si elle sera sous le sapin le 24 décembre pour moi ou pas. Et le deuxième article que j'ai décidé de demander à Noël côté maison électroménager, non, ce n'est pas la bouilloire Smeg couleur crème, et pourtant, vous le savez, elle fait partie de ma wishlist de rêve, mais j'en ai pas nécessité pour l'instant tant que j'ai pas d'appartement. Là, ce que j'ai demandé cette année, c'est une centrifugeuse. Alors je vous explique pourquoi, c'est là que je vois déjà que je vieillis, parce que je demande des choses que je n'aurais jamais demandé il y a 2 ans. Je voue une véritable passion depuis Londres pour les jus détox. Voilà, je suis allée chez Joe & Juice et j'ai goûté leur jus détox vert, donc avec des concombres, non, pas concombres, brocoli, je sais, enfin choucal, des choses comme ça, pommes, enfin je sais plus, enfin en gros c'est un jus détox vert et je me suis pris de passion pour ça. Et c'est vrai qu'à Bordeaux on n'a qu'une seule boutique de jus détox et ça coûte super cher, et je me suis dit que j'aimerais bien les faire chez moi, donc pourquoi pas une centrifugeuse pour pouvoir le faire. Et c'est vrai que je voue une véritable passion depuis Londres pour ça. Donc là, celle que je vous ai présentée, c'est une de chez Boulanger que je trouve vraiment très jolie. Je m'y connais pas trop, je sais pas qu'est-ce qui est le mieux et qu'est-ce qui est pas le mieux, en tout cas en termes de centrifugeuse. Si vous êtes connaisseur, dites-le moi en commentaire, mais c'est vrai que je me dis que ça peut être hyper intelligent, hyper intéressant aussi, parce que c'est voilà, c'est quelque chose que moi j'aime bien. En plus, vous savez, moi côté détox, côté pas régime, mais manger plus sainement, c'est quelque chose que j'aime. Donc voilà, je me suis dit que ça peut être un cadeau intelligent à demander à Noël. On va continuer avec la catégorie mode, et là il y a plusieurs choses parce qu'il y a des vêtements, des chaussures, mais aussi des accessoires. Et la première chose que je vous présente, c'est les Hugg Ultra Mini. C'est vraiment quelque chose que je souhaiterais avoir cette année en couleur chestnut. Alors je vous explique, c'est pas parce que c'est la traîne ou quoi que ce soit, c'est parce que je trouve ça ultra confortable. J'ai acheté mes premières Hugg, c'était des Hugg classiques couleur grise avec mon premier salaire, et en fait j'ai vu vraiment la différence entre des Hugg et des copies, j'ai envie de dire. Vraiment, on est hyper bien dedans, ultra confort, et je trouve qu'en plus là, les températures en ce moment commencent vraiment 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 à baisser. Hier soir il faisait 2 degrés à Bordeaux, donc il faisait très froid, et j'aime bien le côté un petit peu chill, mais en même temps accessoiriser, ça peut faire toute une tenue, et c'est ce que j'aime beaucoup. Alors oui, bien évidemment c'est cher, c'est le problème des Hugg, mais je vois totalement la différence, et j'avoue que les ultra mini me plaisent, même si couleur chestnut, j'aimerais bien les ultra mini, les mini de base et les classiques. Mais cette année, j'ai vraiment demandé les ultra mini parce que je les trouve vraiment trop choupinettes. La deuxième paire de chaussures que j'ai décidé de présenter dans cette wishlist, alors c'est un style totalement différent. Ce sont les Converse Chunky, vous savez, plateforme avec le côté haut et pas bas, en blanc, parce que je les trouve vraiment très jolies. Moi, je les ai en basse et j'adore en fait. Étant une fille assez petite et en ayant une taille pas très, voilà, hein, je suis une schtroumpfette, on va le dire clairement, je trouve que c'est super joli les baskets plateformes, parce que du coup ça grandit un petit peu et ça allonge la silhouette.
fait, et moi j'aime beaucoup. Donc c'est vrai que j'aimerais bien avoir les Converse haute plateforme blanche, mais avec le côté haut pour l'hiver, parce que je trouve ça plus joli. Et je trouve que vraiment c'est une jolie paire de baskets. Je sais pas, je suis revenue aux Converse il n'y a pas si longtemps que ça. Pourtant vous savez que moi j'adore les Stan Smith, les Superstar ou les Nike. Mais c'est vrai que les Converse depuis quelques temps maintenant je m'y intéresse un peu plus, et notamment à plateforme, parce que comme je vous dis, étant petite ça m'arrange, j'aime bien. Et je me dis que ça peut faire des jolis looks même en hiver, donc pourquoi pas, c'est pour ça que je les ai demandés et on verra bien. Moi je prends toujours ma taille habituelle dans les Converse, je sais qu'il y a des gens qui prennent des tailles en dessous, moi je prends toujours ma taille habituelle et je n'ai jamais eu aucun problème. Mais c'est ce qui est le problème d'ailleurs pour ça, c'est que moi j'ai une taille, je pense comme toutes les personnes, je fais du 38 et je pense que ce sont les chaussures les plus demandées du coup en taille, et donc du coup c'est plus compliqué à trouver. Voilà la complexité du truc. Sinon j'ai pas de problème avec mes chaussures, mais pour les trouver des fois oui un peu. Mais bon, on verra bien, on croise les doigts et on verra si elles sont sous le sapin ou pas pour moi cette année. On continue avec des accessoires, et là ce sont des sacs à main. Le premier que je vais vous présenter, alors je sais très bien que je ne l'aurai pas à Noël parce qu'il coûte vraiment très très cher, mais il fait partie de ma wishlist de rêve, donc je me suis dit pourquoi pas vous le présenter, ça peut vous donner aussi des idées, puisque je devais vous faire une vidéo idées cadeaux de Noël, désolée je bug. Et j'ai pas eu le temps clairement, donc je vais voir si je vous en fais une, mais déjà là ça peut vous donner un peu des idées. Donc le sac que je voulais vous présenter, c'est le sac Tabby de chez Coach en noir. J'aime beaucoup sa sobriété et son côté classe parce qu'il est tout simple, et l'initiale C qui pourrait faire mon prénom. Enfin, l'initiale de mon prénom, je me suis dit que ça pouvait être vraiment très joli, mais bon, c'est un sac qui coûte très cher, il coûte quand même 475 €. Je ne suis pas pour dire les prix dans cette vidéo, mais là c'est quand même pour dire, je trouve que c'est cher quand même pour un sac comme ça, mais il est magnifique, mais je pense qu'on paye plus la marque que le sac, c'est ça qui est un petit peu plus embêtant. Mais vraiment ce sac, c'est un sac que je trouve vraiment magnifique, et que je pense un jour, si je peux me l'offrir, je me l'offrirai c'est sûr, parce que je trouve que c'est un sac intemporel. Le côté noir en plus, c'est beaucoup plus pratique. C'est pas comme si je demandais un sac rouge vif. C'est vraiment plus facile à porter, et je pense que pourquoi pas. Alors je sais que je l'aurai pas cette année, mais je me suis dit pourquoi pas quand même le présenter dans cette vidéo, parce qu'il fait partie de mes wishlists de rêve, même si c'est pas une wishlist de Noël. Enfin, une wishlist de Noël, vraiment. Le deuxième sac que j'ai à vous présenter, là vous allez me dire non mais Cheyenne, tu nous refais la même que la vidéo de l'année dernière. C'est le sac de Jodie avec Lancaster, mais cette fois-ci pas dans le coloris chocolat, dans le coloris noir avec le fermoir argent. Je vous explique. Vous le savez, l'année dernière j'ai un peu galéré, mais j'ai réussi à avoir le marron, je me l'étais offert de moi à moi pour Noël. Et je le mets H24. Depuis que je l'ai, je ne porte que ce sac-là. Je le trouve vraiment mais ultra pratique. Il est génial. Il est à la hauteur parfaite quand on le met en bandoulière. Il fait classe, il fait sobre. Tout ce que vous voulez, je l'aime énormément. Et c'est vrai que le côté noir avec le fermoir argent, je trouve que c'est une couleur intemporelle qui pourrait aller avec tout. C'est pour ça que je le demande. Mais je sais qu'il a augmenté puisqu'il était à 220 ou 225, je sais plus. Et là, il est à 245. Donc je sais pas si je l'aurai à Noël cette année ou si je me l'offre de moi à moi. Franchement, je n'ai pas d'idée, je ne sais pas. Comme je vous ai dit, ça a été très compliqué pour moi de faire une wishlist réellement avec des choses que j'ai envie, parce que j'ai pas d'envie cette année, clairement. Là, je vous dis des choses en fait qui sont des choses que j'ai sur une wishlist de rêve, des choses que j'ai envie de m'acheter. Donc je me fais une wishlist comme ça, je me dis, quand j'ai envie de m'offrir quelque chose pour une occasion particulière, je me dis, ah oui, c'est vrai, j'avais ça en tête. Mais là concrètement je suis pas sûre clairement de l'avoir cette année, mais je le trouve vraiment très beau, et pour l'avoir du coup en marron, je le trouve ultra pratique, et j'aimerais bien ce coloris là parce que je trouve que c'est une couleur intemporelle et qui va avec tout. On va passer au manteau. Comme vous le savez, c'est toujours quelque chose que je demande à Noël parce que c'est quelque chose de cher, et moi j'adore les manteaux, j'aime bien en avoir plusieurs pour pouvoir changer de style. Et là j'en ai vu deux chez Zara qui sont vraiment super sympas. Donc on l'a tout d'abord, c'est le même mais en deux coloris différents. On l'a tout d'abord comme ceci, donc en un peu beige chiné, je sais pas comment le dire, avec le col fourrure. Et moi ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que le col fourrure s'enlève. C'est à dire que si on a envie ce côté classe et chic, on peut avoir le col fourrure, et si on ne veut pas, on peut l'enlever. En plus c'est un manteau qui s'attache avec une ceinture, et moi j'avoue que depuis que j'ai mon marron comme ça, je l'adore et j'ai envie tout le temps de le mettre, et je me dis qu'en couleur naturelle comme ça, ça peut être vraiment très joli. Et donc il y est aussi en noir, et j'aime beaucoup. Je trouve que le côté fourrure en noir, c'est encore plus classe, c'est encore plus chic. Et vous le savez, autant l'été je suis très western, bohème, mais alors l'hiver j'ai vraiment ce style à la française, un peu à la Chanel. J'aime toujours le côté classe. J'ai vraiment hérité de mes deux grands-parents de ce côté-là, parce que mon grand-père était très
Texas avec sa famille est très western et ma grand-mère est très Chanel, donc j'ai bien hérité des deux dans mon tempérament et dans ma personnalité et dans mon style vestimentaire. Mais je trouve vraiment ce manteau très joli et bon, c'est pareil, c'est un manteau, ça a un coût, c'est une évidence, mais je trouve que c'est quand on a des pièces intemporelles comme ça, ils sont très beaux. D'ailleurs, je vous ai même pas dit, ils viennent de chez Zara les deux. En général, vous savez que quasi tous mes manteaux viennent de chez Zara. Vraiment, je trouve que Zara ont de très très beaux manteaux au fil des années. L'année dernière, j'en avais loupé un d'ailleurs noir avec les manches en fausse fourrure. Et je trouvais ça tellement beau. Enfin, les manches, juste le côté poignet. J'avais trouvé ça tellement classe, mais je l'avais loupé parce que bah, voilà, je l'avais pas acheté. Mais là, cette année, je trouve que ces deux manteaux-là sont jolis. Et puis vraiment le côté... C'est-à-dire que si on veut être chic... Pour une soirée, on peut mettre le col fourrure ou si on a froid. Mais par contre, pour le côté, si on n'a pas envie de mettre cette fausse fourrure parce que des fois, ça peut faire trop habiller, on peut l'enlever et avoir un manteau tout à fait basique et j'aime beaucoup. Donc, j'avoue que un des deux à Noël me plairait bien, même si j'avoue avoir un petit coup de cœur en plus sur le beige chiné parce que c'est pas une couleur que j'ai et je le trouve vraiment très beau et très lumineux pour le coup. On va passer à la catégorie beauté parce que là, j'ai quelques articles à vous présenter et que j'ai demandé. J'aimerais beaucoup, beaucoup, le premier que je vous présente, ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu et ça fait longtemps que je ne me le suis pas acheté et je l'aime beaucoup. C'est mon parfum, c'est mon coup de cœur, c'est le Coco Mademoiselle de chez Chanel. Ça fait un petit moment que j'ai fini ma bouteille, je l'économisais vraiment beaucoup et je l'adore. C'est pour moi mon parfum, celui qui me représente le mieux et j'aimerais beaucoup le revoir cette année parce que ça me manque de pas le porter. Je me suis acheté plein d'autres petits parfums, même chez Zara que j'adore, mais celui-là c'est vraiment mon parfum de tous les temps. Et c'est vrai qu'un parfum ça coûte cher et je pense que c'est une bonne idée de cadeau aussi parce que c'est vraiment le moment où on peut en offrir à son entourage et j'aimerais bien que mon parfum Chanel soit sous le sapin pour moi cette année, j'avoue. Le deuxième produit que j'ai décidé de vous présenter, c'est un produit skincare que j'ai déjà testé en petit format et que j'aimerais bien en plus grand. C'est le produit Skin Therapy de chez Herborian. Donc c'est une huile pour le visage qu'on met que la nuit. Et je vous jure, j'ai vu vraiment de très très grandes différences. Vous le savez, j'adore la marque Herborian. J'adore la Super Bébé Crème que j'utilise vraiment tout. Les jours depuis que je l'ai vraiment, et là d'autant plus cet hiver parce que j'ai eu quelques petits boutons récemment et je l'adore ce produit, il est vraiment incroyable. Et c'est vrai que celui-ci du coup, le Skin Therapy, j'ai vu totalement la différence même en une seule nuit. J'avais plus de boutons, mes pores étaient un peu plus resserrés. Je vous jure, c'est pas des bêtises. Je sais qu'il y a des pubs comme ça avec les produits miraculeux en une nuit. Mais là, vraiment, j'ai vu la différence. Je l'aime beaucoup, je l'associe à ma crème de nuit. Et ça me fait une peau toute douce, toute glowy le matin, comme si j'avais vraiment une peau en parfaite santé. Et je trouve ça génial. Et c'est vrai que le plus gros format, j'aimerais bien l'avoir, parce que moi, j'avais pris un tout petit pour tester, parce que j'étais pas sûre de mon coup. Et j'ai pas été déçue, encore une fois. Et j'aimerais beaucoup l'avoir à Noël. Je pense que c'est un bon truc à avoir. Vous voyez, acheter une petite routine visage à quelqu'un aussi, je pense que ça peut être une bonne idée de cadeau. Donc voilà, moi j'aimerais bien l'avoir, donc on verra bien. Le troisième produit, c'est un kit de blush et d'highlighter liquide de chez Charlotte Tilbury. Je vous avoue que la marque, je la connaissais déjà parce que moi j'ai le crayon à lèvres Pillow Talk que j'adore. Et là j'ai testé un mascara, c'est celui que je porte actuellement, le Full Fat Lashes. Je l'ai en tout petit format échantillon, mais je pense que je vais aller le chercher très bientôt parce qu'il est vraiment génial. Et c'est vrai que ces deux, donc le blush et l'highlighter liquide, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu parler. Et j'aimerais bien l'essayer. Et j'ai vu que c'est, enfin voilà, chez Sephora, Charlotte Tilbury avait fait un petit kit comme ça où il y en a deux en petit format. Donc je trouve que pour tester, c'est plutôt sympa. Parce que c'est vrai que Charlotte Tilbury, c'est quand même des produits très chers. Enfin pour moi c'est très onéreux je trouve, après tout le maquillage chez Sephora, clairement si on ne prend pas la marque Sephora ça devient vite cher. Mais je pense que c'est une bonne idée de cadeau et j'aimerais énormément tester. C'est vrai que depuis quelques temps maintenant je me remets au goût du maquillage, j'avais perdu un petit peu ce truc là. Mais j'ai envie de trouver d'autres produits, d'innover un petit peu, de me retrouver une petite routine. Là d'ailleurs le make-up que je porte actuellement, c'est le make-up que je fais tout le temps depuis un mois maintenant. Donc si vous voulez d'ailleurs voilà ma routine make-up du moment, dites-moi ça en commentaire. Mais voilà, je pense que ça pourrait être vraiment chouette d'avoir ce petit produit, enfin ce petit kit là pour pouvoir essayer et après les acheter en plus grand. Mais je pense que ça peut vraiment être joli parce que j'ai vu vraiment des filles avec un glow incroyable et j'avoue que j'aimerais bien essayer, voir voilà, j'ai envie de tester de nouvelles choses comme enfin, niveau du maquillage et je pense que ça pourrait être trop chouette. Toujours chez Charlotte Tilbury, j'aimerais leur rouge à lèvres iconique.
le Pillow Talk. Je vous explique le contexte. Moi, j'ai acheté le crayon à lèvres Pillow Talk à Barcelone, en Espagne, il y a quelques années de ça, parce que Charlotte Tilbury n'était pas en France encore, et j'avais trouvé ça très très cher, donc j'avais pas acheté le rouge à lèvres. Mais j'avoue que cette année, j'aimerais bien l'avoir. Je le demande comme ça, parce que voilà, c'est des choses en fait que je pourrais m'acheter de moi-même, mais je me dis que pour donner des idées cadeaux, ça peut être pas mal aussi à mes proches, et j'aime beaucoup ce rouge à lèvres, en fait j'aime bien le côté nude, vous le savez, moi je suis très dans ces couleurs là. Et j'aimerais beaucoup l'essayer parce qu'apparemment c'est THE rouge à lèvres, donc pourquoi pas l'essayer et pourquoi pas voir si ça peut être de nouveau mon rouge à lèvres chouchou et qui détrône le Velvet Teddy de chez MAC Cosmetics dans mon cœur. Et la dernière chose niveau beauté que j'ai à vous présenter, ce n'est pas une palette, rassurez-vous, c'est un parfum, donc c'est le parfum pour cheveux de chez Guizou. Alors je vous ai pas dit, moi j'ai une nouvelle routine cheveux depuis quelques temps, d'ailleurs j'ai changé de couleur de cheveux aussi, je suis repartie un peu sur du blond, je sais pas si ça se voit très bien à la caméra, mais j'aime beaucoup, je pense que je vais rester comme ça pendant très très longtemps parce que j'aime, vous voyez j'ai ce côté encore brun et ce côté blond à la fois que j'aime beaucoup, j'ai une bonne routine cheveux maintenant et d'ailleurs dites-moi ça en commentaire, pareil si vous voulez une vidéo hair care routine. Mais j'utilise l'huile pour les cheveux de chez Guizou et elle est incroyable et je me disais que j'aimerais bien avoir le parfum parce que j'ai jamais eu de parfum pour les cheveux, je savais même pas que ça existait jusqu'à ce que je voyais que Guizou en avait fait un et ça sent plutôt bon en fait, ça sent le propre, vous savez l'odeur du savon et je trouve que ça sent super bon et je me suis dit pourquoi pas tester, j'ai envie de tester de nouvelles choses, je suis vraiment dans cette recherche constante de tests et de nouveautés, j'adore ça, donc voilà, je me disais que ça pourrait être sympa quand même de vous présenter dans cette vidéo. Et on passe à la dernière catégorie de cette vidéo, c'est la catégorie high-tech. Alors la première chose que j'ai à vous présenter, c'est quelque chose que je dois acheter depuis des années. C'est un investissement pour YouTube. Donc déjà, j'ai acheté un micro. Donc d'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça s'entend bien. J'ai vu que pour les vlogs de Londres, ça s'entendait bien, mais j'ai jamais testé encore sur ce côté filming. C'est une ring light que j'aimerais. Alors celle-ci c'est une que j'ai vue sur Amazon, ça fait des années que je la vois, d'ailleurs tous les articles que je vous ai présentés seront en barre d'infos et j'aimerais beaucoup l'avoir parce que comme vous le savez je vais pas à terme filmer à vie sur mon lit, j'aurai cet espace là côté bureau vous le savez mais je vous ai dit que j'attendais que ce soit un peu plus fini pour le faire. Et j'aimerais beaucoup avoir une ring light parce que là actuellement il fait un peu jour mais quand il commence à faire un peu nuit ou qu'il pleut j'aimerais avoir ce côté lumière que je n'ai pas en fait et donc je ne peux pas filmer pour vous quand il fait pas beau et j'aimerais beaucoup donc c'est vrai que je ne la demande jamais, j'y pense jamais et je me dis que c'est une bonne idée de cadeau. Et la dernière chose parce que franchement j'ai pas d'autre idée mais ça je sais pareil que je ne l'aurai pas parce que ça coûte excessivement cher et là je suis pas prête à l'acheter et je pense pas que mes proches non plus, ça serait une nouvelle caméra pour les vlogs. Je vous explique, là moi j'ai actuellement un Canon EOS M50, donc c'est un appareil photo hybride que j'emmène aussi pour mes vlogs de voyage, mais il est pas très pratique parce qu'il est très gros et j'aimerais bien avoir le Canon G7X Mark II, donc c'est la petite caméra je pense qu'à tous les youtubeurs et youtubeuses et je trouve ça vraiment plus pratique pour l'emmener en fait avec moi en voyage. Je le mets dans cette vidéo mais voilà, c'est pas concrètement la chose que j'ai le plus envie d'avoir cette année à Noël, c'est juste que j'essaye de mettre un petit peu des idées aussi parce que mes proches m'ont demandé des idées et j'avoue, cette année comme je vous ai dit, c'est le flou total, je n'ai pas d'idée. Et j'ai essayé, je suis allée dans des magasins et tout, mais même dans les magasins, j'ai pas d'inspiration réellement. Je sais pas, cette année, j'ai pas un truc où j'ai fait genre... Non, pas du tout. Donc voilà, donc ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai envie de, d'acheter peut-être plus tard. Je le mets quand même dans cette vidéo parce que ça peut vous donner aussi des idées. Mais en fait, si vous voulez, j'ai un carnet YouTube où j'écris mes idées de vidéos et où j'écris le matos que je dois m'acheter. Et c'est vrai que ça fait un petit moment que j'y songe. J'avais au départ changé de caméra parce que déjà la mienne était très vieille. Mais celle-ci, je l'avais achetée vraiment voilà, pour que ça fasse les deux. Et en fait, je me rends compte que c'est pas pratique en voyage et qu'il m'en faudrait une plus petite. Donc c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo. Mais voilà. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Mes proches, si vous voyez cette vidéo, sachez que voilà, tous les cadeaux que j'ai présentés ne sont pas ceux forcément que j'ai envie d'avoir, surtout les plus chers. C'est plus pour donner des idées. Et j'aime bien aussi le côté surprise, si vous êtes avec moi et que vous voyez des choses. Voilà.
Et pour mes abonnés, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Oui, petite aparté, j'ai un problème au niveau du doigt, j'ai eu un accident en fait, tout simple, et je n'ai plus d'ongles, ça fait très mal, c'est pour ça que vous me voyez comme ça. Je pense que l'Angleterre devait me manquer parce que vous voyez, ils boivent leur thé comme ça, donc je sais pas, ça a dû me manquer, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas avoir le doigt tout le temps comme ça. Petite aparté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné des idées. D'ailleurs, moi, j'aimerais énormément vous faire un concours de Noël et vous acheter un cadeau parce qu'on a passé quand même la barre des 1000 abonnés, je ne l'ai pas oublié sur YouTube. On est même à 1500 abonnés maintenant et je suis hyper fière de ça. Vous imaginez même pas. Enfin, je suis vraiment très fière, vraiment, de voir que mon implication, malgré que ce soit pas régulier, vous plaise. Donc j'aimerais énormément vous remercier pour ça. Donc dites-moi en commentaire s'il y a des petites idées de cadeaux que vous voulez. J'aimerais vraiment piocher dedans, ça serait chouette. Voilà. Donc bah, sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous promets, je vais faire plus de vidéos de Noël. J'essaie de m'impliquer. Voilà, allez. Bisous.